Dieu merci, on s'attendait à un meilleur début d'année 2015 dans le chef du Sporting. Ouais, c'est clair que nous aussi, pour le premier match de l'année, on voulait faire une bonne prestation, essayer de prendre les 3 points. Malheureusement, voilà, aujourd'hui, ça s'est joué sur des détails. C'est à cause de ces détails-là qu'on perd le match. Des détails et deux contre-attaques qui font assez mal finalement en fin de deuxième période. Ouais, voilà, il y a les deux contre-attaques. Puis, enfin, on avait la possession, on avait les occasions. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas su concrétiser nos occasions. Et eux, ils ont eu deux contre-attaques et ils ont su les mettre au fond. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, on perd le match. Pour parler un peu de ta prestation personnelle, aujourd'hui, tu avais été replacé à un autre poste que ton habituel. Comment tu as ressenti ce match ? Voilà, je, même si ce n'est pas la place que je joue d'habitude, je l'ai pris comme tous les autres matchs, en essayant de faire ce que le coach me demandait, exploiter les espaces, jouer sur ma vitesse, sur la profondeur. Voilà, je trouve que ça va, ça a été. Malheureusement, je rate une occasion en deuxième mi-temps qui aurait pu nous mettre à l'abri. Et voilà, je m'en vais un peu pour cette occasion-là. Et en fin de match, tu as retrouvé ton poste de prédilection. Malheureusement, c'était peut-être déjà un peu trop tard pour essayer de faire la différence. Ouais, c'était un peu trop tard, mais voilà. Peu importe la place, j'essaye d'être important pour l'équipe. Et voilà, aujourd'hui, je pense qu'on perd le match sur des détails. Et voilà, on va faire tout pour se reprendre mercredi. Tout est entre nos mains, donc il n'y a rien de perdu. Faut qu'on se remette en question et que mercredi on donne le maximum.